Bonjour à tous! J'espère que... Je l'ai ok quoi! J'espère que vous allez bien aujourd'hui... Attends... J'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24 heures que des crêpes! Bon... Pourquoi que des crêpes? Parce que c'est la Chandler! C'est la Chandler, c'est la Chandler, c'est la Chandler, c'est la Chandler, c'est la Chandler... Et aujourd'hui, je vais un petit peu cuisiner, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est le robot qui va tout faire. Ce n'est pas un placement de produit, non, c'est juste qu'on a un robot, enfin, je suis chez ma famille, et on a un robot qui cuisine pour nous, donc je vais, l'utiliser. Et cette vidéo est en partenariat avec HelloFresh, c'est la troisième fois que je collabore avec eux, et honnêtement, j'adore. J'aime beaucoup le concept, sachant que moi, je suis une personne qui n'a aucune inspiration, qui ne sait pas cuisiner, et qui n'aime pas forcément cuisiner. Et là, à chaque fois, HelloFresh remplit toutes les conditions pour que je puisse être bien, vous voyez. Je reçois ma box chez moi, en plus j'ai des produits frais. Il y a énormément de choix de recettes, donc parmi 21 recettes, vous pouvez à chaque fois sélectionner 5 recettes toutes les semaines. Et il faut savoir que toutes les semaines, les recettes, elles changent. Moi qui suis végétarienne, par exemple, on peut penser que j'ai très peu de choix, et en fait, j'en ai énormément. J'ai ma petite recette, et en plus, ça tombe bien, c'était une recette avec des crêpes, donc vraiment genre pour mon 24 heures crêpes, ça tombait à pic. Et en fait, vous suivez tout simplement la recette. Champignons, poivrons, œufs, salade, et c'est une... Du coup, cette recette-là, je vais la déguster ce soir. C'est simple, pour commander HelloFresh, vous vous rendez sur le site internet et vous avez plusieurs choix. Vous avez familial, rapido, veggie, faible en calories. Et moi, j'avoue, je prends veggie, mais pourquoi pas la prochaine fois, je pense que je testerai faible en calories, parce que là, je rentre du sport. Mais j'ai une dalle déjà de 1. En plus de ça, j'essaie de manger mieux. Et avec HelloFresh, en fait, c'est compatible sport plus manger mieux. C'est parfait avec des produits de qualité. Chaque recette que j'ai faite, c'est toujours excellent. D'ailleurs, dites-moi si, en commentaire, si vous avez déjà testé HelloFresh. J'adore avoir vos avis, en fait. Vos retours d'expérience, surtout, c'est très important pour moi. Donc, vous pouvez bénéficier d'un code promo, évidemment. DiaryFresh. Vous vous rendez sur le site internet. Vous choisissez votre box. Vous choisissez vos recettes. Et ensuite, vous avez juste... à rentrer le code promo pour bénéficier de la réduction. Et vous obtenez 85€ de réduction sur vos 4 prochaines box. Et en plus de ça, vous avez des petites surprises qui vont s'immiscer dans les box. Allez-y, profitez-en avec DiaryFresh. J'aime trop DiaryFresh. Genre, je suis archi fresh. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour faire des crêpes, recette simple. Farine. Œuf. Sucre vanillé. Beurre. Lait. Et du sucre. Et voilà. Donc c'est parti, on va utiliser le robot et let's go! Voilà. On casse le beurre, 3 minutes à 80 degrés. Donc tu fais start. Start. Et ça chauffe en même temps, regarde, 60 degrés. Ah ouais, 80 degrés. Ça te fond ton beurre. Ma biche. Là, faut que j'attende 3 minutes, là. J'ai une maquilleuse personnalisée. Voilà, parce que oui, je suis une star maintenant. Une star du petit écran. Ça sent bon, ça sent le beurre. Allez, je vous pose mes petits loups. Hop, je prends la Chandler là, les gars. Est-ce qu'on l'attendait pas? Moi, je préfère grave la Chandler que les galettes. Toi, t'es team quoi? La gaufre. Gaufre? Non, je suis team Guigui. C'est quoi Guigui? C'est quoi Guigui? Tu connais pas? Bah non. Guigui, c'est... Étape suivante! Ajoutez le sucre vanillé, les œufs et le lait et mélangez 2 minutes vitesse 10. Ah, je connaissais pas les guigui moi. Vous connaissez les guigui? Vic faisait une réflexion qui était assez juste et je trouve que c'est vrai. Quand tu as le plaisir de cuisiner, de pâtisser, je pense que ce genre de robot, bah, c'est pas trop fait pour toi en fait. Parce que. Enfin, je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Ça fait tout pour toi et ça t'enlève le truc de ouais, je coupe, je machin, je mets à cuire, enfin, toutes les étapes de la cuisine en fait, tout simplement. Après, moi, une personne qui aime pas cuisiner du tout, mais du tout, je pense que c'est un robot qui est parfait pour moi. Vraiment. Mais j'ai pas la place. J'ai pas la place de mettre ça chez moi. Voilà, bon allez. Étape suivante, mélanger la farine. Ah non, mélanger quoi? Les œufs, le lait et le sucre. Dernière étape, la farine. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop vite. Attends. Quand je vous dis que je suis pas hyper douée, même ça, je sais même pas faire quoi. Myriam Cooking. Ok, donc maintenant, pincette sel. C'est le sel, ça? C'est le sel, Vic? Oui. Mais pincez, stop. Pincez. Mais elle est pas trop liquide, la pâte, là? Ah non.
Bah t'as une belle main. Ce matin, crêpes. Elles sont bonnes. Elles sont parfaites. Hein. Ah ouais? Elles sont parfaites les crêpes. Elles sont lisses. Ah, ça va. J'ai fait mon petit café au lait. Moi, ce matin, ça va être ça. Mmh. Oh, les crêpes, elles sont... Mais vraiment, tu les as goûtées ou pas? Je sais pas pourquoi. Elles sont excellentes. Ah ouais, elles sont là? Ah, le caramel est excellent. Mmh. Oh, j'ai envie d'en manger une autre. Alors, deuxième crêpe, ça va être avec du sucre, les amis. Oh, c'est chaud. J'adore crêpes sucre. Regardez comment elles sont parfaites. Parfaites. Et moi, j'ai toujours des petits morceaux, tu sais. C'est-à-dire? Mmh. Bah, des petits grumeaux, quoi. Par contre, les crêpes... C'est le seul truc que je ne trempe pas dans le lait. C'est trop bon. Et vous, comment ça va? Ce midi, crêpes salées. Alors je dis crêpes et non galettes parce qu'en fait du coup je vais utiliser les crêpes sucrées que j'ai fait, enfin qu'on nous avons faites hier. Et nous n'avons pas de crêpes sarrasin, enfin de galettes sarrasin du coup. Je vais mettre du chèvre dans ma crêpe, de la crème fraîche, voilà, un peu de gruyère, du miel. Il est où le miel? C'est une première, j'ai jamais fait ça. Jamais fait une crêpe salée avec une crêpe sucrée. Ça sent le sucre. C'est pas grave, ça fait un mélange sucré-salé, non? Bon, c'est à l'arrache, les gars. Un peu de miel. Alors, après, le sucre. Ah ouais, c'est bien à côté, tiens. Voilà. C'est pas possible, ça. Un peu de salade pour la verdure. Miel, œuf. T'as les gars aussi. Mmh, c'est super bon. Hein. Franchement, c'est excellent. Oh là là. Essayez avec une crêpe sucrée. En dessert, petite crêpe au Nutella. Comment tu fais? Elle est terrible. Clos. La crêpe Nutella, c'est trop bon. J'ai pris un petit bubble tea. Moi j'adore les bubble tea, c'est ma passion. J'étais obligée. Il est bon. Je suis contente. La perle de tapioca, c'est très particulier mais c'est bon. Là il y a Waffle Factory. Je vais voir s'ils font des crêpes. Bonjour. Est-ce que vous faites des crêpes? Je pense, on sait jamais. Ok, merci. Il m'a regardé, il a fait. Non. 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 Ça marche pas. J'ai trouvé des tickets par terre. Mais ma haine, je vais pas payer 20 euros. 20 euros le parking, Vic. J'en ai marre. Vous voyez, ça, c'est ma vie, ça. Ça, c'est tout le temps ma vie. De perdre des choses. T'as trouvé des tickets par terre? J'ai trouvé des tickets. Mais c'était 10 heures. Depuis 10h, il est 17h. Les gars, mais vous savez ce que j'ai fait? Je suis partie là où on prend le ticket. J'ai essayé de, vous savez, de prendre un ticket sans être avec ma voiture du coup. Sauf que ça marche pas en fait. Quand vous êtes pas en voiture, on vous donne pas de ticket. Du coup, bon bah tant pis, je me suis dit vas-y, je dois payer 20 euros, je paye 20 euros quoi. Au final, bah faut payer, j'ai pas le choix, tu vois. Et vous savez quoi? Elle m'a fait payer que 1,80€. Je sais pas pourquoi j'ai de la chance tout le temps comme ça. Les gens ils sont trop gentils avec moi, je vous aime, c'est des bébous. Et on a rencontré une... Je sais pas si c'est une abonnée. Je sais pas si elle est abonnée, mais en tout cas ouais, on a rencontré une fille qui travaille chez Sephora Créteil Soleil, si jamais tu vois cette vidéo.
Trop mimes, j'aime trop vous rencontrer. Par contre, je sais pas où je vais. Ah oui. Voilà, j'aime trop vous voir. Par contre, je suis grave gênée, j'avoue. À chaque fois que je rencontre des gens, je sais pas pourquoi. Ça rouge comme une semaine. Ça me gêne de ouf. En fait, j'ai l'impression. Enfin, c'est bizarre qu'on me reconnaisse, quoi. Je trouve ça trop bizarre. Je suis rentrée pour le goûter. Vous savez ce que j'ai fait là? J'ai fait fondre du chocolat Milka pour la crêpe du goûter. Oh, c'est incroyable. Candiap chocolat. Pour aller avec. Oh, c'est trop bon, Vic. Et maintenant, je m'en fais une au sucre. Non, mais. Quand je pense que j'ai fait un 48 heures sans sucre il y a pas longtemps. Ah, j'ai mis trop par contre. Ah, j'ai mis full sucre là. Tu m'as même pas ramené pour moi. Tu voulais des crêpes? Mais j'ai faim. Ah, ok, j'arrive. J'avoue quand même que la galette sarrasin, ça fait une différence avec. avec ce midi, la galette sucrée que j'ai mangée là. Mais c'était très bon, hein. Mais bon. C'est vrai que je pense que c'est mieux quand même la galette sarrasin. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Vous savez que je mange jamais de poireaux. J'avais jamais l'idée de mettre des poireaux dans une galette. En tout cas, j'ai trop kiffé cette journée. C'était trop bien. J'étais avec ma cousine. Par contre, je vais pas vous mentir. Hein. Là, je sature en crêpes. Je me suis mis au crossfit. Incroyable. Oh, le crossfit, c'est archi dur, mais c'est trop trop bien. Franchement. Oh, c'était un repas incroyable. J'ai plus de crêpes sucrées. Donc, pas de dessert pour le coup. Qu'est-ce que je fais? Du chocolat. Non, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis un peu en retard. La chandeleur, c'était le 2 février. Mais. La chandeleur, ça peut être toute l'année en vrai. Je vais vous laisser sur ça. Je vous fais très très très, très gros bisous. On se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Joie de vivre, positivité, bonne humeur. Love you, love you, love you, love you. Non.